de prendre contact avec... Poufouf YouTube ! Bonjour à tous et bienvenue ! L'équipe, aujourd'hui, vous ne rêvez pas, c'est un nouveau vlog, on est sur Twitch et sur TikTok. Et aujourd'hui, CRSB de retour dans la rue pour en découdre. Il y a eu un syndicat de routiers, très bien, qui souhaite le retrait d'une des nouvelles lois qui est justement en lien avec... avec le transport poids lourd. La manifestation a lieu dans une dizaine de minutes. Elle est organisée depuis un petit peu de temps. Grosso modo, ils veulent le retrait de certaines lois. Chose, évidemment, voilà, c'est compréhensif, hein, bien évidemment. On comprend, on comprend. Mais, allez, en avant pour tout le monde. Mais ça peut être la guerre. Donc nous, on est en CRSB. Il y a CRSA. Vas-y, c'est moi qui conduis. On me dit. Allez, à l'attaque. Du coup, nous, on est en CRSB. Il y a l'AA qui est devant. Et écoutez, il y a de la Bravem et tout ça. Vous allez kiffer. Ça va être plutôt rigolo. Et donc, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est le retrait de certaines lois au niveau des poids lourds qui, d'après eux, les dérangent dans leur travail. Donc, ils ont le droit de faire une manifestation. Mais nous, on a aussi le droit de faire notre travail. Et donc, du coup, on va aller voir un petit peu... On va aller voir la bagarre. On est sur la courte, on est sur la 84, donc on est bon pour vous deux. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Eh bien, messieurs, j'espère que vous avez bien mangé à la cantine ce midi. Parce que je sais... Ah, là, il fallait manger, là. Vous avez... Ouais, tout le matos sur vous. Vous pouvez prendre autonomie sur votre position au niveau du centre sportif de la Trinité. Nous, on va tout d'abord aller voir au marché de Noël la sécurité. Ouais, c'est suivi pour la B. Bon, nous, on va centre sportif, c'est ça ? C'est ça. Ouais, au niveau du stade, on se place un endroit. Ah ouais, on va faire comme la dernière fois ? Si, allez accompagner la CRS, bravo. On va au stade. Apparemment, je prends contact avec les orgas, prendre les premières infos le temps que... Ah, c'est toi qui communique ? Ouais. Juste le temps de prendre les infos. Ok, ouais. Ouais, j'ai discuté avec le lieutenant, il m'a dit c'est lui qui gère les... Oui, c'est lui qui gère. Les... Ouais, tu introduis, tu fais les préliminaires, comme on dit. Ouais, voilà. Ça doit être un peu frustrant de faire les préliminaires et rien faire derrière et de laisser la place aux collègues. Mais c'est beau jeu, c'est beau jeu. Ça, c'est l'esprit d'équipe, ça. C'est bien les CRS. Les préliminaires pour les copains. Ok, bon bah j'espère que vous êtes prêts à faire la bagarre. Je suis curieux de voir s'ils vont vraiment sortir des semi-remorques. Ah, et... Ah ouais, non, il y avait à peu près 6 camions là. 24. Ah, nice. Je me demandais s'ils allaient oser les sortir. Parce que s'ils font des bêtises et qu'on saisit les camions, c'est dur. Hein. Oui. Ok, ouais. Alors voyons voir. Déjà, à première vue, il n'y a pas trop de poubelles. Non, c'est sur le stade, ils se mettent... Je suis le collègue, hein. Non, oh, bord... On va directement au stade, ah, ok. Wow, vous avez vu la sécu? Ouais, on avait été... Putain, la sécu CRS, ici. Bien aller au niveau du, coup, du stade, hein, de la Trinité, pas ici. Ouais, ouais, c'est suivi, c'était pour voir si vous aviez pas de soucis. Non, mais c'est gentil, mon commissaire, merci. Y'a pas de problème, entre collègues, on se soutient, on se serre les coudes. Tant que t'as réponse à tout, tu peux faire ce que tu veux. Allez, go, au stade. Ah, putain, du coup, on va être tout seul, 3 versus... Ouais. Bah déjà de ce que je vois, ah regarde, c'est en train de se préparer aussi. Oh, bah ça va. Ça m'a l'air d'être une manifestation. En fait, c'est une tombola qu'ils organisent aujourd'hui. Attends, je vais mettre, attendez, je vais faire une petite marche arrière. Je vais leur laisser la place. On les laisse se garer, j'imagine, de toute façon. Oui, je pense. Ok. Commandement pour CRS Bravo. À votre écoute. Ouais, pour info, on est placé au niveau du stade. On a plusieurs camions qui sont en train de se situer. La température est fort agréable. C'est suivi ? Ah, c'est reçu, mais vous souhaitiez parler à commandement et non pas commandant, c'est ça ? Ouais, c'était le commandement, ouais, que j'appelais. Ah, ok, autant pour moi. C'est reçu pour le temps, Barcel. C'est reçu, pas de soucis, mon commandant. Ouvrir la porte latérale.
Tac, parfait. David qui veut être calife, roi du calife et ancien calife. Monsieur, bonjour. Ah, quel bonheur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, tout va bien. Très bien, très bien. Bah tant mieux. Bon, on vient là pour ça, vous allez avoir du travail. Ah merci, c'est gentil. On vient pour en découdre. Ça marche. Vous êtes payé par les organisateurs ou pas vous? Ok, ça marche. Ok, ok. Non mais c'est pour savoir s'ils avaient prévu un service à eux ou si c'était si vous étiez à part. C'est bien, parfait. Bon, à tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour. Avoir connaissance un peu du parcours que vous allez faire afin de prévoir histoire qu'il n'y ait pas de problème avec d'autres civils. Alors on va effectuer une petite opération escargot. Ouais, très bien. Qui va partir d'ici. On va descendre la grande route principale. Très bien. Vers jusqu'à le port. Après, bah, direction Charpois. Sur le concessionnaire. Ok. Et ensuite, direction Pessagne. Et un petit arrêt devant Comico Sud aussi. Il y aura un petit arrêt devant Comico Sud. Ok. C'est vous le chef des syndicalistes du coup? C'est un peu moi. Ah, ça marche. Parce qu'on aura besoin d'avoir un porte-parole pour discuter avec. Ouais, vous comprenez, c'est mieux de avec un officier, c'est plus simple. Ouais, oui, bien donc sûr. Donc essayez de vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, parce que sinon ça va être compliqué si chacun veut. Non, bah c'était ça. Ah, vous savez ce que vous voulez? Ouais. Donc parfait. Vous m'avez dit après Chapeau, c'est Pessagne. Voilà. Et après arrêt sur Pessagne. Avec pas forcément agir. Ça dégénère déjà. Bon, soyez quand même sur le qui-vive au cas où, messieurs, hein. Ouais. Parce que là, on a déjà reçu une menace de mort, là. Moi, je prends ça comme une menace de mort. On prend femme et enfant si ça dégénère, hein. La dictature. Ah ouais, non, mais femme et enfant, moi, je fais pas de différence, les frérots. Voilà, s'il y a de la violence, il y aura une réponse qui sera forte. Voilà, évidemment, hein. Les paysans, là. Honnêtement, je suis curieux de voir à quel point ça va être le bordel. On a énormément de présence sur le terrain en sécurité, aussi bien en police qu'en sécurité privée. Donc, il y a du peuple, tu vois. On peut faire la bagarre s'il y a besoin. Eux, ils sont en train de se préparer. Ils ont pas mal de camions. Normalement, c'est une opération escargot. C'est un convoi. Le tracé a été fait sur la carte. Donc, on va du coup les escorter pour les parce qu'ils ont le droit de... Ils ont le droit de faire grève, hein, bien évidemment. Ils ont le droit de faire grève. Par contre, ils peuvent pas tout détruire, tout bloquer, etc. Donc, je prends sur mes épaules. Voilà, voilà. Faut un petit peu... un petit peu s'assurer que ça ne dégénère pas trop, tu vois. Et du coup, bon, on a des véhicules de convoi exceptionnels qui sont là. Il y avait la Brave M qui était à côté en moto, là. Bah, regardez, je vous les filmer. Regardez, ils sont là. Allez, là, la racaille. Regardez, la racaille. La Brave M. Regardez-les. Bouh. Moi, c'était trop drôle de pas... Ça aurait été dommage de pas mettre la Brave M sur le serveur. Honnêtement, ça aurait été trop dommage. Enfin, c'était obligatoire, hein, ce service emblématique. Nos voltigeurs à nous, on était obligés de les ajouter sur le serveur. Et vous avez vu, les gyrophares, ils sont dans les clignotants. Voilà, Made in Arma for Life, les frérots. Made in Arma for Life. Le rendu est pas déconnant en plus, tu vois. Des petites MT-07. Voilà. Je suis toujours près de toi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vous voyais plus pour ça. Ah, bah c'est parce que pourtant, 1m85, quasiment 100 kilos, normalement... Voilà, hein. Ouais, ouais, j'ai entendu. Je suis là. Après, c'est normal s'il a peur. Il faut le dire. Si tu viens vers moi, moi je vais venir vers toi. Tu vois, c'est un échange. T'avais l'habitude de te
te jeter dans mes bras, petit, mais là... Ah ouais, ouais, mais bon, il a vu plus grand, plus large. C'est normal, non mais c'est normal. C'est normal, c'est juste normal en fait. C'est la volonté de sécurité, tu vois. Ouais, votre position est alléchante. Ouais, ah, la racaille. Ah, bonjour, cher collègue. Bonjour, bonjour. Joli la cagoule, hein. C'est ouais. Pratique pour faire des bavures. Bah, ouais, ouais. Qu'on vous voit pas attaquer la veuve et l'orphelin, hein, parce que nous on est là pour défendre le peuple. Hein. Non, on lui aura cassé les dents avant. Ah, bon, les dents ça va. Des bons dentistes, ça va, ça va. Essayez de pas faire d'accident pour une fois. Non, mais tu l'as, non. Ah, mais quel bonheur. Le commandement Chester, vous voulez dire? Le commandant Chester. Bah, le commandement Chester. T'étais pas sur la radio tout à l'heure? Non, il était absent. Garde à vous devant le commandement Chester, s'il vous plaît. Le commandement est présent. Évidemment, ça doit rester entre nous. Hein. Voilà, faut pas que ça se répète. Hein. Faut pas que ça se répète. Hein. Il est commandant et non commandement, hein, mais bon. On peut tous mal entendre à la radio, hein, ça arrive. Ouais, y a peut-être une volonté de grandir aussi, hein. Voilà, on en dira pas plus. Bon, pour YouTube, on se retrouve quand on démarre le convoi, parce que ça peut vraiment durer longtemps. Donc nous, on est là, on est posté. Le peuple est en face et on a, comme vous pouvez le voir, les pompiers en renfort. Il y a de la sécurité pénite dans le fond là-bas. On a la BRAVEM, on a les pompiers, le service santé, on a la protection civile, on a les convois exceptionnels de la DIR, on a les CRS. Bref, rasuper.com pour nous rejoindre. RP sur Arma 3 depuis 2015. Oui, monsieur, 2015. Donc écoutez, à très vite. On attend et on y va. Le convoi. Ouais. Ça, c'est bien les pompiers, ça, toujours dans les clés. Ouais. En tout cas, bel uniforme, hein. Alors du coup, vous serez derrière la CRS Bravo. Ok, ça je l'ai déjà indiqué à vos effectifs. Parce que je sais pas comment vous passez. Belle moto, les pompiers, vous avez vu? Ça m'importe. Et derrière. Belle moto, hein. Vous aurez la. Vous aurez d'autres. Vous aurez les. Du coup, il y a les pompiers avec la BRAVEM qui vont se faire des bisous derrière là. Donc là, vous avez la moto. Enfin, la moto pompier et la moto police. Et regardez. Les gyros bleus sont dans les clignotants. Sur 84 pour tous. Au niveau, stylé, hein. Modification au niveau du convoi. En tête, il y aura toujours les deux estafettes de la BRAVEM. Derrière la CRS Alpha. Derrière la CRS Alpha, il y aura un expert de la sécurité. Ouais, c'est. On se prépare. Tout. Après, il y aura. C'est un peu le bordel. Il y a du monde, hein. Il y a du peuple. Mais on n'est pas parti encore. Ça fait deux heures qu'on attend. Un jour, peut-être, on y va. Ok, c'est parti, c'est parti. Salut pour la CRS. Commandement PJ. Transmettez PJ. Nous, on est à la fin, donc on peut regarder un peu les gens partir. Préparez-vous à embarquer. On est à la fin, nous. Préconiserais plutôt de déjà prendre départ et d'aller vous placer. On est derrière le VL de sécu là, je crois. Non, bah négatif, ouais, vous allez suivre. À moins que vous voulez déjà vous placer sur la Pesane, mais. Ah, oui, ça c'est devant ça tout ça. Ça c'est devant. Ouais, non, on va suivre. Mais non, normalement il y en a un qui est avec nous derrière de sécu. Ah, peut-être qu'il y en a deux devant. Ouais. Non, non, je pense que nous on est derrière lui et lui il est derrière les camions. CRSB, vous laisserez du coup passer le. Tout le convoi, la sécurité, et ensuite vous vous mettrez derrière. Vous serez bien devant, par contre, les pompiers. C'est oh, quel bordel! Ouais, c'est suivi, mais du coup, on a un équipage de sécu qui est devant nous ou pas? Il est devant vous. Ah, oui, bah tu vois. Ouais, ok, ouais, bah voilà. Bien joué. N'oublie jamais, même quand le chef a tort, le chef a raison. Mais bien sûr. Voilà, le chef n'est jamais en retard, il est demandé ailleurs. Ah, oui. Et ouais. Voilà. Et le chef ne dort jamais, il médite. Voilà, retenez ça. Il ne dort jamais, il accélère le temps. Exactement. Vitesse de convoi pour tous, 20 km/h. Du coup, il y a tout ça pour deux camions. Je vous laisse commencer. Ah, c'est super. Ah, la loi, elle va changer, c'est sûr, hein.
Mais moi je vais voter pour, hein, parce que ça me fait de la peine, ils sont trois. Alors que aujourd'hui tu t'as que des gars qui farment, mais ils sont même pas venus soutenir leurs frères d'armes. Allez, en voiture, on y va, nous. Hop, hop, parfait. Ouais, tout est fermé, c'est bon ? Tout est fermé. Ouais, les autres chauffeurs routiers, ils sont même pas venus soutenir leurs frères de la route, c'est dommage. Les types, ils ont sorti tous les camions de leur garage. Ouais, mais ils ont dit ils sont pas assez de chauffeurs, donc ils abandonnent tout là. Donc là, c'est nous, là. Là, c'est nous. Ok, parfait. Ah, il fait le stop et tout ? Ouais, c'est bon. Hein. Oula. Là, c'est les pompiers, ils sont... Ok, donc ils sont derrière nous. Transmettez. Bon, pour info, on a un T-Max là, qui fait le show à l'avant du convoi, tenue prisonnière, wheeling, refus, mais on laisse tranquille. Ouais, on roule au milieu, on a 10 personnes doubles. Si, merci à vous. Pour info, c'est As Bravo, on est derrière, le convoi est parti dans son entièreté. Ouais. Ah, ça sur, claque. Sur. Avec la Bravem qui est devant, comme ça, c'est très joli. Ouais. Alors, vous pensez que la loi, elle va changer ou pas ? Non. Je sais pas si vous avez entendu, ils râlent parce qu'ils sont pris à 2 km/h de trop. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils roulent à plus 52 au lieu de plus 50. Ouais, elle est où, donc, la moto bon... Dernière position Cognon, elle était sur Dourdan actuellement, donc elle était en train de tourner. Ah, c'est stylé, la dire qu'indique le bouchon, là. C'est quoi comme modèle ? T-Max noir, avec un monsieur avec un prisonnier et casque noir. Ok, ça marche, bon, on part de le port. Pour précision, plus DP1 maintenant. Ok, redescendez. Confirme. Waouh, on dit. Ok, ça marche, bon, on va voir si on croise. Regardez derrière, on dirait le 14 juillet. Oh la vache, y'a même pas autant de monde pour le 14 juillet. Ah, par contre, c'est beau, c'est déjà tout balisé. C'est stylé, ça. Allez, écoute. Waouh. Partir en héros à coup sûr et je pense qu'il va venir s'amuser à zigzaguer dans la manif. Donc à voir s'il revient, peut-être essayer de le lâcher pour éviter de mettre en danger tout le monde. Ah ouais, ouais, si ça explose, ça va être magnifique là. Tu sais compter, me dire combien on a de véhicules là en tout ? Alors à la fin, il y en a 1, 2, 6, 8, 10 avec 2 motos, 11, 12, 13, 14, 15. 16, une sécu de 20, 17, 2 motos, 19. Une vingtaine de véhicules, je pense. Putain, c'est dingue! 19. C'est stylé! En fait, c'est As Bravo, il y a deux camions qui sont tout au fond du convoi, ils sont derrière les fait pas... Ah, peut-être les faire remonter, non? Je sais pas s'ils font partie. C'est suivi! Je sais pas. Pas. Commandement pour CRSB? Transmettez. Ouais, vous voulez qu'on les autorise à remonter pour qu'ils rejoignent leurs collègues manifestants ou pas ? À vous de voir, mais ça me semble compliqué. Bah, nous, de notre côté, on pourra rien faire, mais je sais pas si vous avez reçu des consignes ou pas par rapport à ça. Bah, dans l'idée, il faudrait qu'ils remontent, mais si on n'arrive pas à communiquer avec eux, ça va être compliqué. On verra ça au niveau de la mine au diamant quand ils s'arrêteront. Ok, ça marche. Ouais, peut-être mettre une fréquence avec leur gars. Je me ferai ça au niveau de la mine, c'est même il y a même pas pensé pays. Quoi. C'est terrible. Tout derrière le véhicule de la DIA, c'est moi-même et le camion de la sécurité. Ah, c'est qui moi-même ? Ah non, je vous la assure PSG. Que derrière le véhicule de la DIA, c'est moi-même et la sécurité. Ah, c'est du pénit. Bon, bah, on va bien jouer, brigadier. Bah, moi j'ai vu que deux camions, deux fois. Ouais, après, c'est vrai que de loin. Bien joué, bien joué. Ah, secteur difficile là. Donc là, la première halte, elle est au commissariat, c'est ça ? Là, donc d'abord, ils vont au niveau de la mine de diamants pour récupérer des manifestants. Ouais. Donc ils font une petite halte là-bas. Après, normalement, ils partent au commissariat sud où ils vont se mettre le long de la même voie. Pour. Mais ils vont attendre, ils se mettent là-bas et après, ils partent sur. La Pessagne, toujours en opération escargot, et c'est le blocage final où ils bloquent la route. Ah, Pessagne, ils bloquent tout. C'est ça. Ok, et on leur a autorisé jusque quelle heure le blocage ? C'est pas du tout. Ok. En tout cas, déjà, ça débute mieux que d'habitude, on a pu parler avec les orgas. Oui.
D'habitude, tout le monde se tire dessus au bout de 5 minutes et ça court à fond. Donc, je crois qu'on a même pas fait d'interpel encore, donc c'est cool. Non. Putain, c'est vraiment impressionnant le bordel derrière. Ah, regarde. Lui, il voulait pas manifester. Par contre, il est avec eux, hein. Voilà, voilà, un exemple de démocratie en direct. Voilà. Ah ouais, bah ouais, un signe de mécontentement, mais bon, dans ce cas-là, va soutenir tes frérots, quoi. Ils sont que 4 à défendre les intérêts de tous les autres chauffeurs de l'île. Ouais. Il y a quand même plus de véhicules pompiers que de camions. Ouais, ah ouais, ouais, bah même en sécurité, je crois que t'avais compté, ils étaient ouais, pas mal quand on était passé. Ouais, bah bon, c'est comme ça, hein. Après, franchement, je suis en train de me dire, hein, le jour où les pompiers font une manif. Mais faut envoyer tous les effectifs de police, hein. On est jamais assez. Ouais, c'est les enfants gâtés, ils font jamais de manif. Ouais. T'as vu, ils ont 25 nouvelles tenues, 40 véhicules, des motos d'intervention, un service de déminage. C'est bon, je vais pas me mettre à pleurer, hein, honnêtement. On a un itinéraire qui fait partir de DP1 ah. Jusque mine de diamant, qui fait l'aller-retour, c'est... T'as vu? Alors, my bad, j'ai négligé effectivement de le dire sur la 84. Allez, merci. À la mine de diamant. Ouais, bien joué, lieutenant. Ouais, c'est reçu, donc de Bravem, on va bloquer en... Heureusement que David, il sait lire une carte, parce que sinon, on est foutu là. Commandement de PJ. Transmettez. Je vous informe que j'ai un camion qui a rejoint l'arrière du convoi, je sais pas s'il est avec ou... Ah. Ça se motive à soutenir les frérots, on dirait, c'est bien. Aïe 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 aïe! Qu'on se poursuit! Ouais, le convoi est où actuellement? Camion qui passe dans la savane là. Déjà prévenu, laisse-moi faire mon taf. Ouh! T'as entendu à la radio comment ça a séché? Oh, j'ai déjà prévenu, laisse-moi faire. Ouh! On n'est pas du coup resté sur l'axe principal, on va revenir. Hop, on se garde sur le côté. Ouais. Et on attend. Bah, tu sais quoi, on va aller mettre là, hein. Vas-y, go, descendez. Allez, hop, hop, hop. Sur le côté, messieurs. J'ai intercepté le camion. Allez, sur le côté. Le convoi, hop, 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 hop. N'hésitez pas s'il avait pas de mauvaise attention à le Allez, et sur le côté. Déjà peu de camions. Commandement pour CRSB. Transmettez commandement. Ouais, pour info, on a mis tous les véhicules sur le côté. Donc pour le moment, on est bien, c'est suivi. C'est... Allez, sur le côté, messieurs. Contrôle de police. Vas-tu me vérifier les cartes grises? Ok, nice. Il est où le camion, là, qui a voulu doubler tout le monde? Il s'est fait choper par PJ. Ah, il a déjà été interpellé? Ouais, c'est PJ qui est avec. Ok, ça marche. Je vais essayer de pas vous faire écraser et on assure la sécurité sur place du coup. Wouah, la DIRC a failli m'écraser. On est à l'arrière du convoi sud. Faut rester derrière vous, monsieur, hein. Bonjour, vous voulez pas rester derrière plutôt? Pour baliser le ralentissement? Bah ouais, bah faut rester derrière le convoi, remettez-vous derrière et informez les gens que c'est dangereux. Ah, parfait. Bah restez pas sur le côté, ça va être dangereux s'il vous plaît. Allez, bon courage, restez pas sur le côté, monsieur. Tu es de CRSB, faut faire attention au niveau du point CRSB, il y a des véhicules de secours qui sont sur le côté dans le sens Trinité et le port. Ouais, j'ai demandé à la dire, normalement c'est balisé. Donc normalement les gens ils vont savoir qu'il y a un souci. Mais peut-être dire aux gens de pas rester sur la route, ouais, on sait jamais. Ouais, je vais leur dire de se mettre dans l'air. Vas-y, va montrer ton autorité, ouais, que tout le monde se mette sur le côté pour éviter un accident. Bah, allez-y, mon commandant, sinon ça va pas marcher. Moi, je suis pas commandant, hein. Commissaire, j'ai dit non. Non, non, t'as dit commandant, t'es viré, toi. Toujours pas en courant, on repart vers chaque poisson pour l'instant. Bon, mets-les sur le bas-côté, s'il te plaît, et on attend les consignes du commandement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ok, nice. Ouais, parce que comme ils sont pas assez, ils se sont dit, ils vont aller chercher des gars à la mine de diamant pour, tu sais, pour un effet de fusion, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ils vont chercher des farmers pour leur dire, venez avec nous, on vous défend, etc.
Donc bah écoutez, on va voir s'ils trouvent des nouveaux... des bras droits là-bas, quoi. Surprise, surprise, j'ai envie de vous dire. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Tu sais, c'est des pompiers, c'est pas des gens comme nous, hein. Ils veulent se garer sur le côté, alors qu'on était très bien... Enfin bref. Par contre, il est joli, leur véhicule de déminage, là. Regardez. Sécurité civile, véhicule d'intervention, déminage NRBC. Ça claque, ça claque. J'aime bien. Commandement de PJ. J'aime bien, j'aime bien. Le polo a été remis à l'ordre, il part simplement farmer du diamant, on attend avec les services de secours. Ouais. Je lui tire dessus, moi je vous le dis tout de suite. En plus j'ai pris un flashball, j'ai toujours pas tiré, je suis un peu... Dans l'herbe et oui, ils se sont regroupés tous à peu près au même endroit. Je suis un peu triste de pas avoir tiré sur des gens encore. Bientôt. Oh regardez, il y a la course poursuite. Faites gaffe, il y a la course poursuite qui est là. Attention, vous mettez pas en danger, hein. On est sur la manif nous. Hein. Vous mettez pas en danger, attention. Ouais, essaye de prendre la plaque avec des jumelles si tu peux, mais sinon si c'est trop... Ok, parfait. Attention à vous. Vous voyez ? Arma for life, les frérots. Quand on vous a dit, mettez-vous sur le côté, c'est dangereux. C'est pas des lol. C'est pas des lol. Bah du coup on a passé, on va vers d'autres dangers, tu vois. C'est là, il y, y a une course poursuite qui vient de passer. Si on avait été sur la route, on aurait pu risquer un accident. Il rejoint probablement le convoi. Oui, on en avait informé. Waouh. Ouais, mais après on va nous dire que... La vitesse, tout ça, rouler à plus de 50 km/h en ville, c'est pas grave. Enfin bref, heureusement qu'on est là les frérots. Hein. Ok, 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 c'est parfait. Ouais, ouais, on va les laisser passer, s'assurer qu'il n'y ait pas un gars qui arrive à fond de balle. Évidemment, les pompiers ils comprennent jamais rien. Heureusement qu'ils devaient attendre derrière. Hein. Juste pour éviter toutes mes ententes, c'est quoi votre plan de route actuellement? On va s'arrêter au niveau du commissariat, si tu veux informer. Ouais, provisoirement. Enfin, en tout cas, sur une partie. Bah, attendez, les pompiers ils passent, essayez de pas vous faire écraser. Ça va être commissariat sud direction. Ah, je pense qu'il y a quand même un véhicule qui se fait. Exactement. Ah, c'est reçu. Là, il y a le Karoq qui doit, à mon avis, rester derrière nous. Ah, il reste derrière le véhicule de déminage? Je pense, parce qu'il a bloqué. Ouais, je pense qu'il a bloqué tout le monde, il doit rester derrière. Ok, parfait. Et nous, c'est... Y'a pas un véhicule de sécu de base avec eux? Si, je crois qu'il y en a un derrière. Oui, il y en a un derrière le camion rose. Ok, parfait. Allez, montez, messieurs. Allez, on est tous là. Parfait. Commandement pour CRSB? Transmet. Ouais, pour information, on est derrière la sécu qui est derrière les camions, c'est suivi? C'est parfaitement reçu. Pourquoi il force derrière avec son camion de pompier? Eh bah tu restes derrière et puis c'est tout. Bah ouais, il est fou lui. Il a changé les plans là, un plan parfait fait par Jérémy là. Il est fou lui. Attends, elle est pas bonne la phrase. Parfait. Ah ouais, j'avoue. Ouais, non, je voulais dire un plan juste comme ça, tu vois. Un plan vite fait par Jérémy. Pensez à boire et à manger, hein. Sachez qu'on a un service de parfait. Ouais, non, c'est my bad. Excusez, c'est ça. Mais bon, tu sais, les miracles, hein. Tout est possible, hein, quand tu vois le motif de la manifestation, tout est possible, hein. C'est une utopie, c'est un miracle. Ouais, mais... Ça n'a pas explosé encore. Moi, je pense qu'on est clairement sur une journée miracle. Pour le moment. Ouais, normalement, quand je dis ça, 3 secondes après, ça explose. C'est toujours comme ça. Il dit, ah putain, trop bien, il n'y a pas eu d'explosion. Boule de feu. Bon, pour le moment, on n'est pas trop mal. Oh, mais le bordel! Je sais pas ce qu'ils ont fait sur le pont là-bas. Transmettez. On entre dans Chapois, on se rapproche du commissariat sud. C'est reçu. Stop convoi pour tous. Stop convoi pour tous. Ok, c'est suivi, on va s'arrêter. Attends, je me rapproche un petit peu. Elle est derrière PJ.
Allez. Et hop. On descend, messieurs. Commandement pour CRSB. Ouais, on a à l'arrêt de notre côté, c'est suivi. C'est reçu. Ah, course poursuite. Ah, y'a une paf aussi sur la poursuite. Ah, regardez là-bas aussi. Bouge pas petit. Hein. Ouais, parce que la vraie vie, les gars, hein. Tu connais la vraie vie. La vraie vie, les gars. La loi sur les camions. Donc du coup, bah il y a des courses poursuites, il y a des braquages, il y a des gars qui font leur petite soirée, tu vois, la vie continue, hein. La vie suit son cours. Donc nous on est là et les collègues ils courent après tout le monde, ils tirent sur des gens, etc. Donc là on fait une pause symbolique devant le commissariat sud et puis après on continue, hein. L'arrêt c'est Pessagne. Ils sont en train de se fumer entre eux. On va avancer un peu notre VL, comme ça la DIR peut faire la déviation sur la route en terre là à droite. Ouais, vas-y, ça marche, t'as les clés, tu peux avancer. Mais on se colle pas trop, je voudrais éviter les soucis. T'as qu'à venir, viens à mon niveau, va. Tu poses le camion où je suis et puis c'est bon. Ouais, sans m'écraser, sinon t'es viré, hein. N'inquiétez pas. Non, ah, mais j'ai une de mes ex-femmes, elle m'a fait le coup déjà, donc je préfère prévenir. Commandement, brave M. Transmettez. Et le fumigène là, sur le convoi, dans le convoi, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne nos motos et qu'on circule un petit peu aux abords du convoi pour surveiller? Si vous souhaitez, vous pouvez. Ah bah c'est reçu. Gaz moutarde, ça je reconnais. C'est bien, ça change, au lieu de nous les lancer sur le visage, au moins il les garde sur eux, bonsoir. Je sais pas si vous avez vu, il y en a un avec un pull blanc, sac noir. Ouais, mais on a décidé pour le moment au niveau des consignes, c'est on attend Pessagne pour faire quoi que ce soit pour éviter que ça dégénère. Faut juste essayer de pas vous les prendre sur le museau, quoi, c'est tout, ça marche. Ouais, pas de problème. Allez, bon courage à vous, merci. On est bien. Ouais, le commandement a décidé qu'on ferait pas d'interpel avant d'arriver sur Pessagne, on les laisse faire un peu leur bordel. Parce que déjà qu'ils sont pas beaucoup, si on en met deux en prison, bah ça va ressembler à rien. Ils vont être deux camions. Donc c'est plus stylé de les laisser faire leurs bêtises. On verra plus tard ce qu'on fait, tu vois. La sécu, ils touchent pas la lettre dans les fumées. Voilà. Voilà, la guerre les gars, en direct. La guerre. La vraie vie, vous l'avez. Mélange des couleurs est très joli, hein. Pour info de CRSB, on a fermé la porte du commissariat sud pour éviter que les gaz. C'est reparti. Ah, il y a la poursuite là, regarde. Ouais. Eh, il est balade, hein. La déviation de CRS, bravo, on a repris le mouvement. Pour information, le refus d'obtempérer passe juste à la droite. Ouais. Si ça coupe, Ah, il est balade avec son T-Max, hein. Ouais. En plus, il a une tenue de prisonnier, non? Oui. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien, il sait où il va aller. C'est ça. Ouais, il sera pas déçu. Par contre, derrière, ça suit pas du tout, hein. Ah. Commandement pour CRSB. Ouais, je vous informe que ça a un peu du mal à suivre derrière nous, pour info. Sûr, on va ralentir. Je sais pas ce qu'ils font. Peut-être c'est des pompiers. Il y a un peu de fumée. Ils disent on peut pas passer dans la fumée. On a trop peur, c'est pas possible, je sais pas. Ah ouais, y a plus personne.
Il y a deux patrouilles, enfin un véhicule, voire deux, trois derrière nous, c'est tout. Ouais, bah tant pis pour eux, hein. Tu sais, c'est Koh-Lanta ici, hein. Ils se sont fait éliminer. C'est la vie, tant pis pour eux. Confirme CRSB, la sécurité. On y est enfin. Ouais, donc là c'est secteur sécurité, nous on va secteur police. Mais ils vont nous laisser passer ou pas eux? Ah, j'entends rien. Oh le bordel. CRSB, je vous conseille de déjà commencer à contourner les dispositifs, sinon ça va être limite. Ouais, bah t'inquiète, je peux passer là. Voilà. Ah, ils vont nous bloquer là! Ouais. Passe à gauche par le. Ouais. Ouais, vas-y. Parce que sinon, j'aimerais passer par là-bas. Là. Ouais, non, j'ai l'impression qu'ils avaient pas très envie de nous faciliter le chemin. J'ai pas l'impression non plus. Ok. Hop là. Transmettez. Mais il s'est mis près de fou le frérot, non? Alors nous la besogne est complètement bloquée, hein, donc s'il veut passer ça va être compliqué. Attention, bougez pas. Paf! Oui. Allez, recule! Oh là là! Voilà, on va se mettre là. T'as la rhinocéros. 5 de front. Voilà! Reculez! Hop, on ouvre les portes. Voilà. C'est ça, ça sent l'animal hein, dans le camion là. Je vous confirme que je suis installé à l'auto-école. Hop. Commandement pour CRSB. Oh, vous êtes là vous. On est avec la A postée station, c'est suivi? C'est suivi, parfait. Je voulais sortir un bouclier s'il vous plaît et vous mettre devant. Allez, messieurs. Bouclier. Allez. Vous avez signé pour ça, messieurs! C'est la bagarre! C'est la bagarre! Ah, c'est le T-Max fou là encore? Allez, faites-moi votre tête de méchant là! Ah! 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 Ça va. Ah! On veut du CRS méchant, nous, ici! Ah! Commandement d'Oscar. Transmettez. Bah, notre moteur, je pense qu'il va un peu forcer le barrage, donc si vous hésitez, n'hésitez pas à le RC, le gars, si j'ai une chance. Il n'hésitera pas. Merci à vous. Oh le bordel là-bas! Oula! Commandement pour CRSB. Moi, je suis un peu le leader. C'est faux, je faisais rien. Au revoir. Commandement pour CRSB. C'est dommage. Ouais, attention, c'est une jeune, monsieur. Vous pensez à mettre un masque à gaz pour les unités. Ouais. Et sur la radio, tu m'entends pas? 84, je t'ai pas entendu, David, non? Ah, bah, c'est pas grave. On peut se défendre ou pas, là? Non, pas pour l'instant. Mais en haut, là, pour les faire reculer un petit peu. Non, alors c'est nous, on va reculer légèrement avec les véhicules. Ok. Ils sont placés collés et s'ils avancent avec leur véhicule, là, on leur demandera de reculer. Ah, nice. La force. Putain, l'ambiance a l'air incroyable. Hein. Conducteur, ton véhicule, s'il te plaît. Et vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Attention, je vais reculer. Faites attention, attention à vous. On recule les véhicules à CRS. Si on va l'aligner sur c'est bon, je peux reculer. Vas-y. Ouais, c'est bon. On leur laisse du terrain, hein. C'est n'importe quoi, moi, je dis. Allez, c'est bon! Commandement de PJ. Transmettez. Vous me confirmez que plus personne peut rentrer dans le Pesan actuellement. Bah, s'il y a des personnes qui veulent se joindre, on va pas leur empêcher, mais dans l'idée, non. Merci, reçu. Timing parfait, j'ai mis pile sur les points, qui dit mieux. Nice. Tu pris quasiment le drapeau français là avec le bleu, le rouge. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, je suis pas persuadé, non. Pas persuadé que c'est le même effet aussi. Ouais, tu me diras, à mon avis, en face, tant qu'il y a de la fumée, ils sont contents, hein. Oui. Du coup, c'est quoi? Tu continues de discuter avec l'orga ou c'est fini, là? Oh, putain. Ah non, c'est là-bas, ça? Ah, ils viennent d'abattre le mec en T-Max. Attention, attention.
derrière. Sur l'autre, dans ta période, les tirs. Moi, si je me fais attaquer, je me défends, hein. Commandement d'Oscar. En colère, les camionneurs. Hein. Ah, mon cher lieutenant. Si on a reçu les sommations. En colère, camionneurs. Hein. Mon cher lieutenant. Moi, je me défends si on m'attaque, hein. Sommation sur T-Max, du coup. C'est exactement ce qui s'est produit. Très bien, hein. C'est bien pris. Ah, bah, ils avancent vers le camion. Ah. Camionneur. En colère. Enculé. Messieurs, on ne vous laissera pas, c'est plus le camion face à nous. Messieurs, nous reculez. Messieurs, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, c'était de trop, hein. Non, mais pareil, j'ai perdu une oreille. Je parlais dans le mégaphone, là. Prenez votre voix naturelle, ça sera beaucoup mieux, si on comprend rien. Messieurs, s'il vous plaît, reculez avec vos camions. Messieurs, il ne faut pas avancer avec vos camions plus que ça. Bah là, ils sont déjà collés à la grille, hein. Tu m'excuseras, mais. Oh là là là. Il faut qu'on fasse un ralliement. Aïe aïe aïe, ça continue de tomber, hein. Sors ton camion là, viens avec ton camion. Ah là, le camion il s'arrose. Mais si, tu viens là, là. Allez, sors ton camion, dépêche-toi. Je sais pas si ça nous a contourné, je pense pas. J'espère qu'il attend son camion. Oh le bordel avec les pleins phares là. Pour les manifestants, si les camions sont amenés à plus avancer, nous considérons que c'est une rupture de ce qui avait été convenu entre nous et nous mettrons un terme à la manifestation. Vous n'êtes prêts de pas faire plus avancer les camions que ceux qui nous sont déjà. On se mettait. En passant sur le braquage de l'époque, c'est au cas où, sommation effectue. Commandement de PJ. Braque. J'assiste laser pour le blocage côté hôpital. Laser m'informe que. C'est joli, hein, vous avez vu. Ça va, Héraclès. Merci pour ton resub, Héraclès, c'est très gentil. Bienvenue à toi. YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Regardez-moi les effets là. C'est magnifique. Avec la fumée, etc. L'ambiance, elle est vraiment sympa. Merci, Héraclès, c'est gentil. Bienvenue, bienvenue. Moi, j'ai envie de leur tirer dessus, mais. On est côté parking cimetière. Le collègue, il préférerait qu'on attende un peu. C'est reçu. Pour éviter que ça dégénère. C'est ce que je veux dire. C'est jamais, hein. C'est jamais, hein. Et coucou, Caverne, bienvenue. Coucou, Mao. Et merci, Raclès, c'est très gentil à toi. Ah, bah enfin, on voit enfin sur qui on va. C'est mieux, ouais. Oh, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ils ont pas été très motivés, alors je propose un peu. Attention! Voilà là! Reculez-vous! Pas besoin de crier. Là, on a failli se la prendre dans le museau, là. Hein. Bah, c'est une manifestation, monsieur. Hein. Vous voyez pas la violence, mais c'est autre chose, ça. Bah, bien sûr que non, je vois pas la violence parce qu'on a pas. Eh bah, partez d'ici alors! Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Bah, c'est bien, on voit plus rien du coup. Ah, bah là, c'est, on est dans le rose. Oh là là là. Oh, c'est. Ouais, ouais, mais il est où l'état-major là? Qui c'est qui commande ici? On va mettre fin au. Regarde-moi le bordel! Je sais même plus où sont les collègues! Ah, bah là, c'est terminé. En plus, avec les pleins phares! Pour l'ensemble des manifestants, mettez fin au fumigène. Sinon, la force, hein! Mettez fin au fumigène. Voilà, c'est bien. Ils engageront la force sinon. Merci, enfin. Oh bon, allez. Libérez les camions. Vous verrez qu'on finit pas, vous étouffez dans la lacrymogène. Alors moi je leur tirais dessus au flashball. Mais là on peut mettre des balles perdues sans faire. Moi même de CRS. Oh là là, quel bordel. On est prêt à intervenir, on est submergé par la fumigène, ça commence à nous énerver. Oh, c'est bon, on peut se défendre. C'est suivi, bon. Au moins le flashball. On dirait que ça brûle en plus. Essayez de voir, essayez d'isoler les lanceurs et de les interpeller s'il vous plaît. De fumer une. Bandana, bonnet. Le gars il a un bonnet, bandana avec des dents. Gilet jaune normalement. Pour l'ensemble des manifestants, le prochain qui nous lancera des fumigènes sera immédiatement interpellé. Nous mettons fin à la. À l'autorisation sur les fumigènes. On voit rien du tout. Là, Là, c'est compliqué pour avoir qui lance, hein. Honnêtement. On va se placer au niveau église, arrière-église, pour essayer de repérer les jeteurs et les interpeller. C'est bien sûr. Ouais. Ah, enfin. Commandement de Bravo. Ah. Wow, j'avais oublié qu'il y avait la sécu au fond, tiens. Un individu au niveau de
de la Sura là, je vous ai fait un petit gribouillis noir. Trois individus juste à côté de vous, hein. Vous pouvez checker peut-être. Le mec a jeté une fumigène tout à l'heure. C'est des dépanneurs actuellement à côté de, du piégeur en portière. Non. Au niveau du, de la Sura, excusez-moi. Bonnet. Ils ont tous des gilets jaunes aussi. Le truc sur la bouche, là, le gars juste devant. Comment lequel? Le gars à gauche, là, qui est à gauche. Ouais, gilet jaune, c'est lui qui a balancé la fumée. Avec le bonnet? Ouais, avec le téléphone là. Vas-y. S'il revient devant, vous avez mon top, vous pouvez le flashball et vous en interpeller. Le gars avec son. Qui est derrière le gars en blanc là, c'est ça? Ok, ça marche. Excusez-moi, pour la même prio, il y a un bonhomme là, en bonnet Balenciaga. Vas-y, go! Ah, c'est moi qui l'ai flashball! Qui a lancé une fumigène. Enculé! Enculé, messieurs! Reculé! Reculé! Allez, interpellation, et on l'embarque derrière! Reculé! Entrez chez vous! Rentrez chez vous! Vas-y, on l'emmène derrière! Vas-y, on l'emmène derrière, on l'emmène derrière! Allez, go, on recule! On recule, on recule! Allez, go, go, go! Viens, viens, viens avec ton bouclier! Oui, on a déjà commencé comme indiqué précédemment. Ah! C'est bon, on a été les chercher! Quel plaisir! Ah, ça me manquait, ça me démangeait, hein! J'étais à deux notes des. Je me suis dit, mais quand c'est qu'on leur tape dessus? Quel plaisir! Voilà, ça va mieux! T'as vu, je commençais à me poser des questions sur mon avenir! Ah, c'est revenu de suite là! Ah, j'ai retrouvé les gestes, tu vois! Oh là là, j'ai visé la tête, j'ai touché le ventre, j'étais un peu déçu, mais bon, je vais m'entraîner, je vais on va améliorer tout ça. Non, nous non. Bah j'ai dû faire usage de ma lacrymogène portative manuelle, évidemment, parce que... Mais non, on n'a rien lancé, nous. J'ai vu que l'individu s'est battu, vous avez bien fait, mon commissaire. Ah ouais, bah forcément, on a été pris d'assaut par une cinquantaine de... Black Bloc. Mon nom, bravo. C'est défendu. C'est... On a un interpellé, du coup on l'a ramené jusqu'au moto, faudrait belle interpellation. Qui vient nous chercher. Je vous laisse arranger avec la PJ. Bon, je vous laisse l'amener à la sécurité côté. Ah, j'ai bien visé hein. À pied, si, vas-y. Félicitations. Ah, je te dis, j'ai pas hésité longtemps hein. C'est marrant hein. J'ai bien identifié et paf. Oula. On vous a tout noté sur grille manif. Je crois qu'ils veulent discuter, mon bon lieutenant. Devant là. Je crois, ouais. Libérez les camions, libérez les collègues, libérez les camions, libérez. Ah, bah, chacun son métier, hein. Ah, ouais, non, mais. Chacun son métier, hein. Ah, non, vos collègues ne seront pas libérés, c'est fini maintenant. Vous avez douté de notre autorité, n'en doutez plus. Vous aviez qu'à pas douter. Libérez les camions et les collègues. Libérez les collègues. Ah, les collègues ils seront pas libérés hein. C'est à quelle heure la fin là? Il y a pas de fin prévue. Ah super. On est là toute la nuit. Oh, ça m'a l'air de s'être un peu calmé déjà, c'est pas plus mal. Ouf. Eh, vous avez vu? J'ai bien visé hein, j'ai pas perdu hein. Je me suis entraîné à KOTH, c'est pour ça. Ou pas. J'ai fait un peu de KOTH, j'ai travaillé ma visée. Ouais, ils sont en train de reculer les camions. On a gagné, je crois. On a gagné la guerre. On les met à travers. Ah. Oula. Wouah, elle est passée juste à côté, elle. Oh, regarde, regarde, regarde là, ça retombe encore. C'est sur les parkings. On demande bravo. Individu déposé, on revient sur le dispositif, on est derrière l'acheteur en moto. C'est reçu, on a un lanceur qui arrête pas de lancer, faudrait que vous arriviez à l'identifier si possible. Ouais. Monsieur qui adore le rouge en tout cas. Oh, ouais. Oh mais il est bizarre celui-là. Bizarre hein. Ah, de bravo, on a des camions qui prennent départ. Waouh, là. Paf. On l'a bien vu arriver celui-là. Ils sont vers l'église, je pense, non? Celui-là, le truc, on l'a bien vu arriver là. Ah, je crois qu'ils rangent les camions, ils veulent pas assister à ça. Petit? Oui. T'as fait des photos? Oui.
Bah, c'est bête, c'était le moment, hein. Transmettez. Putain, comment on fait maintenant? Oh, les deux poids lourds ont l'air d'être en train d'être rangés. Ouais, j'ai l'impression que c'est la fin. Vas-y, on avance un petit peu. Avancez un petit peu. On va aller voir, y'a plus personne là. Vas-y, avance jusqu'au camion. Ah, là, au milieu, là, au milieu, là. Monsieur. Commandement pour CRSB. Monsieur. Transmettez. Ouais, on s'est rapproché un peu au niveau des camions. J'ai l'impression que la paix est en train de revenir. Il nous faudrait les clés. Si on est passé de l'autre côté avec le commandement, on va commencer à libérer les camions. Allez-y. Parfait. Et ben voilà, c'est la fin les frérots, j'espère que ça vous a plu. Oui. On va laisser les gens remettre un petit peu leur petit camion, ramasser. Donc c'est la fin de la manifestation. Elle aura duré plus de 2 heures, j'espère que ça vous aura plu. Et puis rendez-vous dès demain pour la suite de cette aventure folle, j'ai envie de vous dire. J'ai deux manifestants avec moi. Rasuper.com pour nous rejoindre sur Arma for Life. Normalement, ils partiront. Depuis 2015, on est là, tu connais. Et écoutez, on verra comment la loi évolue, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Est-ce que la loi doit changer ou pas? Est-ce que vous avez été satisfait de cette manifestation? Bah écoutez, on verra ça dans les commentaires. Bref, bisous à tous et rassurez-vous, aucun manifestant n'a été blessé dans cet épisode. C'est important de le rappeler. Pouce bleu, salut les frérots, tchou tchou!